au combat. Moi, ça fait la peine un peu de Mérida. Qu'est-ce que ça tient juste, mais en fait, c'est la démocratie. Nous sommes invités pour quand le Sénat ou il y a des nouvelles, nous voyons pas, vous voyez, Sénat, tête, ça. Mais il y a eu ça ce jour-là, avant de nous faire parler. Alors, ça mort. Ils disent, ouais, bon, il faut oublier tout ça. Mais, quand je dis, Lurel, c'est mon compte ici, etc. C'est Gilo. Et là, il s'arrive de me fâcher, même. Et quand tu m'as Eric, parce que je ne parle pas bien, je vais aller où? Quand tu m'as Eric, j'ai écouté les discours. Encore là, j'étais horrifié. Et quand tu m'as, est-ce que tu penses une seule seconde que quelqu'un comme Charles peut présider la région? Ouais. Ça, c'est même pas, je le joue sous la tête de ma mère. Des inconvénients. Et si quand t'as mis ces là, cet homme est un danger pour les abîmes, je préfère mille fois voter pour toi que de voter pour ce monsieur. Alors je vous dis, rassemblement et vous là en jean bancal, commencez bien, commencez par la chose. Et j'espère, je vous reviens, que nous allons pulvériser. Charles, on dit écrasé comme un bipap, nous n'avons pas compris ça quand il s'est fait là. Quand il y a un bon dosé, il va se faire un bon Charles. Nous va comprendre tout ça, son manque de culture intellectuelle, que c'est une image. Nous comprenons écraser, quand il a écrasé véritablement Charles. En son criminel, on dit écrasé, on dit tu veux Charles. Après que tu veux, c'est une image. C'est-à-dire qu'on va le battre à plate couture dans les urnes à l'occasion des élections aux abîmes. Alors, on a entendu aussi beaucoup de choses. Il y a deux orateurs qui attendent, le président. Ouais, mais au bon, arrêtez-les. Bon. Nous avons entendu beaucoup de choses de cette réunion aux abîmes. À Petit Pérou, on nous a présenté ce fameux, quelqu'un est beaucoup avant moi, c'est Mime, ce fameux nouveau modèle économique qu'on nous promet, nos émerveilles. Ça a juste annoncé il y a au moins 2-3 mois. Chaque fois que vous posez une question, regardez. Oh, les gars, on est là, on est là. Et on se tête. Premier à sa programme, un nouveau modèle économique, pour avoir une hausse rapide, capital en termes de population de la Guadeloupe. Vous avez fait fort, hein. On va foutre, vous-même présenter un nouveau modèle économique. Là, on va présenter. On vient présider la région Guadeloupe, on va foutre, vous-même présenter un nouveau modèle économique. Là, il va se rallier, mais ce n'est pas mieux. C'est un vide sidéral. C'est du pipi de chat. Caca froid. Poudre de perles pépin. Miroir aux alouettes. La montagne a accouché d'une souris. Le cheval s'est cabré devant l'obstacle. On nous a pondu rien du tout. Quelques idées, on va créer des emplois d'avenir dans l'agriculture, alors que vous avez la compétence de l'État. Alors quand le député devrait s'y employer, il faut devenir président de région pour créer des emplois d'avenir. On va développer la co-transformation. C'est un chantier qui est déjà largement entamé avec des résultats par le président de région et la région. On a emprunté des sentiers déjà battus par la région Guadeloupe et par Victor Lurel. C'est du vent, c'est du rien du tout que leur nouveau programme, nouveau modèle économique. C'est pas ça qui va sauver la Guadeloupe et qui va créer davantage d'emplois que nous en créons aujourd'hui grâce à l'action de Victor Lurel. C'est pourquoi on devrait la poser bien fort. Plus grave encore, j'ai entendu, vous l'avez entendu, je suis canaliste, pas largement. Monsieur Chalus dit, sous un ton menaçant, j'ai été reçu par ma demande par Victor Lurel à la région, et je l'ai enregistré pendant 1h57, précisément. Et il y a des choses
que je menace de divulguer si Victorin Lugret ne se tient pas bien. Monsieur, c'est extrêmement grave. Voilà quelqu'un qui prétend diriger une des plus hautes institutions de la République, la région, renforcée de l'équipe de valeur grâce à la loi NOP, et qui vous enregistre, qui enregistre un président de région dans l'entretien qui lui a demandé officiellement qu'il enregistre pour ensuite s'en servir comme instrument de chantage politique ultérieurement, et qui prétend demain que Victorin Lugret c'est un dictateur, c'est ceci, pourquoi, et qui prétend demain diriger les affaires de la Côte. Non, moi je ne veux pas de ça, je ne sais pas pour vous, mais nous devons donner un carton rouge à Richard Luce pour ses propos qu'il a tenu diffusé sur Canal. C'est inadmissible vis-à-vis d'un dirigeant de ce niveau-là. Et si vous demain vous allez le recevoir, oui, vous recevez dans votre mairie, il va vous enregistrer aussi. Quand vous vous faites, ou si les présidents de région, les pires confidences concernant votre intimité, vos difficultés, vous permettez de dire quelques mots peut-être blessants pour tel, demain il s'en servira pour vous faire chanter ou je ne sais quoi, pour des raisons politiques. C'est inadmissible. Je suppose qu'il doit avoir aussi des enregistrements de Rusalto, de Van Carabin et des autres. C'est inadmissible et il faut que nous condamnions cela. Et je demande à président Victor Emmanuel de porter plainte pour ce type de comportement parce que je pense que la loi dispose d'un certain nombre de possibilités de contrôler par rapport à de tels agissements. Alors, mes chers amis, vous devez faire le bon choix à l'occasion de ces élections régionales. Cap excellence. Faire le choix de la région. Faire le choix de la sécurité. On ne peut pas, dans cette période difficile, aller à l'aventure. Moi, j'ai beaucoup de gens qui étaient pas mal hein. On était déjà opposés en 2010, donc nous ne pouvons pas nous mettre sur 2010, etc. Et ça reste bien, c'est encore bien sympa, hein. Il y en a là, etc. Et nous sommes candés à bouler, à lui de tout le monde, encore, il compte bouteille de l'eau, il est quand même pensé comme ça. Vous aimez ça, hein. Vous aimez ça. Mais là, vous m'expliquez, nous, que tous ces gens-là qui ne veulent pas croire les seigneurs, ils ont compris l'enjeu de ces élections. Dépasse ces petites vicissitudes, on doit passer ces élections à un haut niveau. Un haut niveau d'espoir, d'espérance pour le peuple guadeloupéen. Ce à quoi je vous invite à vous mobiliser ici au Moule, mais partout, dans tous les territoires, dans toutes les communes de la Guadeloupe, partout où vous portez des pas, dans les hameaux, dans les monts, dans les veaux, partout, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos entreprises, dans nos exploitations agricoles, partout. Dites qu'il faut faire le choix de raison, il faut faire le choix qui nous pousse en avant, il faut quand même faire confiance à cette majorité de maires qui ont confiance en Victorin Lugret. Il faut faire confiance à ce C2DT. Ce contrat avec les communes. Et comment, et je terminerai là-dessus, comment imaginer que tous les 23 maires de la coalition derrière Lugret signent ce CDDT en toute confiance avec la signature de la région, du président de région. Et que les autres, au premier mouvement, disent non, nous n'avons pas signé, c'est du saupoudrage, c'est des millions, vous achetez le monde, vous achetez le maître. On est à 2 mois des élections. Los Barsi, sous les caméras de Canadis. Bon, il va nous chercher Lirel en voiture, en pire, on l'a décidé. On a une décision, il l'a pris ce temps. Et signé Mignon, il a décidé Mignon par 6 mois. Ponchard, si, là, grande pompe. Ah oui, bien Ponchard. Grande pompe. Bien Ponchard. Etc. Sous les conseils de Lucette Michaud, lui qui vivait jusqu'à. Je lui dis qu'il y a un chaliste placé au bout de gagnant, mais chaliste peut gagner, mais lui, il connaît le président des gens, on demande à lui, là je la baste. Monsieur Molinier signe également, et qui est-ce qui reste encore?
Chalus. Chalus. Non, il y a dernier bandit. Dupont. Non, il y a dernier. La mère du gosier qui avait dit jamais. Je vais signer. Dupont. Mère du gosier signe. Et je l'ai vu tout un amour avec Lurel, etc. Ah, je comprends qu'il a signé pour venir à l'Israël. Alors ils ont tous signé. Les quelques mères qui sont avec Charles et les autres aussi, elles qui sont ailleurs bougeant. Le seul qui fait de la résistance, c'est Harry Charles. Alors comment imaginer moi à place à Harry Charles? À quand il combat dans mon dit pas bon, qui l'irait? Il n'est pas bon, il n'est pas dit parole, son dictateur signatia, il n'est pas dit bon valet. Il a soupoudé, il a acheté les autres, il y a un million. Toutes ces mères-là qui étaient là, qui ont signé, ou pas ni pour autorité, ou pas ni pour crédit pour diriger ce monde-là. Et ces monde-là, ça n'a plus confiance en Victor Lurel qui dit. Parce qu'elle voit des mois des élections, des mois, elle va se décider d'être là pour des mois. Et il faut s'en signer qui est baissé avant décembre 2015. Ou sinon, contrat pour 5 ans. Contrat d'avenir pour 5 ans. Et 5 mai, vous êtes avec Chalus. Vous signez un contrat d'avenir avec Victorin Lurel pour 5 ans pour votre commune. Sous les caméras, en grande pompe, officiellement. Et vous allez venir dire au peuple que l'Irène, pardon, ne peut pas faire confiance. Mais pour qui vous prenez, le peuple va nous payer. Il mérite mieux que ça. Le peuple va nous payer de vous. Faites-vous respecter. Soit vous prenez pour des imbéciles, soit c'est Harry Chalus qui est un imbécile. Je crois, en définitive, il s'agit d'une combinaison des deux. Alors, debout. Debout et faisons gagner un homme de confiance, un homme qui a la confiance de tous les maires définitifs, grâce à ceux des GT, un homme qui va propulser les communes, garantir la commune, la commande publique, les travaux, le travail des entreprises et l'emploi dans nos communes, un homme qui va faire avancer la Guadeloupe avec le soutien du gouvernement, avec le soutien d'un réseau international que le seul en Guadeloupe il a. Votons, faites votons, faites voter Lurel Lurel et portons les espérances du peuple guadeloupéen le plus haut que possible avec Victor Lurel, c'est-à-dire